Mais tu vois pas bien. Tu peux pas faire de zoom avec ça. Nathalie, c'est propre? Un petit peu? Non, non, regarde, sur la croupe, là, il y en a encore un peu. Faut pas taper, il faut passer la brosse. Mais je fais comment quand ça s'éteint? Tout simplement, c'est que le cheval n'ait pas peur des vaches. C'est vrai qu'énormément de chevaux
de bruit et ainsi de suite, quand vous êtes en balade pour les cavaliers. Et donc c'est vrai que c'est un exercice qui est très très bien. Normalement le cheval n'est pas censé vous quitter, moi je l'ai fait personnellement avec mes poulains, je l'ai fait monter sur les palettes. Donc c'est énormément bien, je le remets même personnellement la vache sur le dos. Et à partir du moment où vous arrivez à faire des choses comme ça avec des poulains, à savoir que c'est pas la peine de forcer, c'est des bébés. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de travailler au caractère et au mental. C'est pas la peine de forcer, de taper dessus, ça marchera pas. Parce qu'ils sont plus forts que nous, donc ça marchera pas. Donc à partir du moment où vous voulez un cheval, je vous conseille personnellement de l'acheter petit, si vous avez connaissance. Et en fait, de les prendre et de les éduquer à votre main, quand vous avez l'intention de les garder, et selon ce que vous voulez en faire. Donc là, vous allez voir, Nathalie va vous montrer la bâche, comme je vous expliquais. Il y a très peu de chevaux qui, entre guillemets, l'acceptent. Là, en plus, vous avez déjà un mois, donc c'est extrêmement difficile. C'est du boulot, c'est du travail. Donc il faut vraiment y aller avec du tact. Voilà, vous voyez, vous pouvez essayer pour les cavaliers, pour des chevaux à la maison. C'est pas facile. Et ça s'apprend, ça ne vient pas du jour au lendemain. Voilà, donc vous avez pu voir la présentation de Nathalie. Pour les personnes qui sont en fait près de ce milieu, vous voyez, ça il faut vraiment avoir confiance en son cheval. Alors, en l'occurrence, c'est ma vie Shetland, mais avec un cheval, on peut faire exactement la même chose. C'est une confiance qui est entre le cavalier et le cheval. Hein. Donc, vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, à partir du moment où on est bien avec, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quel animal. On te donne un rendez-vous, mais je ne vais pas toujours parler de tes fesses parce que j'ai des questions. Donc c'est pas moi, c'est elle qui parle de ses fesses, hein, je crois que c'est bien. Donc, juste pour information, en fait, il y a différentes manières de faire la révérence. N'est-ce pas ma fille? Comment on fait la révérence? Je ne sais pas ça. Tu as deux solutions. Non, pas du tout. Si tu veux commencer à lui faire prendre, à lui faire faire la révérence, comme ça, et tu descends, et tu descends. Voilà, voilà. Et normalement, à un moment, il est joué. Voilà. C'est bien, ma belle. Pour la première fois, c'est très très bien. Demain, voilà, on apprend un cheval à faire la révérence. Ou autrement, on prend légèrement une cravache, une badine, et on lui prend et on lui tape au niveau du cheval. Voilà. Donc les cours, c'est après 18h, Nathalie. Donc voilà. Je tiens quand même à vous préciser qu'avec un poulain ou cheval ou quoi que ce soit de 15 mois, c'est pas du tout évident. Bon, après, c'est le travail tous les jours, ça fait tout. Hein. Ouais, elle le fait que le soir. Ouais, bon, c'est le travail tous les soirs. Parce que vous en pensez, pour les novices et ceux qui sont du métier, c'est pas mal de faire ça quand même avec un poulain qui a 15 mois. Donc je pense que Nathalie mérite quelques applaudissements, s'il vous plaît. Et en plus, j'ai quand même précisé que c'est un amateur qui commence. Donc Nathalie, tu peux un peu expliquer ton parcours. Pourquoi tu as voulu faire ça? Attiré par rapport à ça, le monde équin, la taille. J'ai déjà deux chevaux à la maison, donc je voulais faire
Mais regarde, si on veille. Mais non, regarde, ça filme. Ça clignote rouge. Elle a dit que l'écran il devient noir.